Состав хозяев в этом поединке. Марк-Андре Терштеген ворота защищает под первым номером. Сержо Роберто 20-й, справа в обороне, слева Йорди Альба 18-й. Жерар Пике 3-й и Хавьер Маскерано 14-й. Marcelo Rakitic maintenant, toujours à la recherche d'une faille, et Messi peut la trouver lui-même, cette faille face à Luka Modric. Coup franc accordé par Klaus Gomez, excellent coup franc là pour la Pulga. On pourra se le répéter à chaque fois, mais un Messi face à la balle, voilà, le haut du corps d'abord qui va aller dans son sens, et c'est ce qui oblige à Rakitic de justement. Il est costaud parce que Ronaldo, Benzema, Varane ont de la taille. Balle de but, c'est pour Messi évidemment, le coup franc. Il est cadré mais pas assez puissant, il a assuré au maximum. Sécurité totale dans la frappe, c'est devenu plutôt une... Busquets, et encore ce ballon dans le dos de Carvajal, ça va... passé peut-être pour Neymar, réussi à centrer, Suarez, en pivot, la volée de Suarez. Varane l'a encore assorti ce ballon, Matteo Kovacic sur Isco. Contrôle, il nous reste un peu aérien. Voilà okay. Comment regarder là. Benzema. Avec Marcelo, le centre, il est réussi. Ter Stegen encore trop court. Il trouve des failles, là, les Madrilènes dans les couloirs. Et là, on voit comment... Ça, c'est l'école argentine, hein, on dit tout le temps. Isco l'appuie sur Carvajal. Le Real devient un petit peu plus tonique pour construire. Vasquez, le centre vers Ronaldo et Benzema. La récupération de Benzema. Marcelo pour une volée à côté du but de Ter Stegen. À Ronaldo et Benzema, ils se sont gênés les deux. Oui, mais encore... une manière d'offrir du Real Madrid de renverser le jeu, parce que d'abord c'est Marcelo, on revoit les deux joueurs sont au même endroit, ils n'arrivent pas à communiquer. Ronaldo tente la bicyclette. Oh là là, mauvaise passe de Neymar, et c'est encore Modric qui anticipe le compte là pour le Real. Peut faire très mal parce que c'est Ronaldo qui part face à Gérard Piqué en vitesse, en dribble, il peut passer CR7 dans la surface, la frappe dans un angle très fermé. Et Ter Stegen met ce ballon en corner. Presque l'idéal pour Ronaldo dans ce genre d'action où il a eu presque, je sais pas, 50 mètres pour venir fixer, balle au pied, gagner du terrain. On sait que Piqué... Et celle-là de Modric sur Lucas Vázquez, le contrôle aussi de Vázquez avec la glissade de Jordi Alba, ça profite à Vázquez. Ronaldo est parti, dribble de Ronaldo devant Mascherano, le bout du pied, parade de Ter Stegen. Et encore sur la relance. Non, parce que autant, voilà, comme il part de l'arrière, ouf, il lui fait le petit pont au rose, au monde que Jordi Alba fait le pas à l'intérieur qui lui permet. C'est sur André Gomez, Jordi Alba. Léo Messi, bon 1-2 avec Jordi Alba. Le centre est contré. On demande encore une main à côté Balograna. Corner accordé à l'équipe de Luis Enrique. Prend une pression quand même, Klaus Gomez. Une différence entre Sergio Roberto et Daniel Alves. Il y avait main et pénalty. Oui, mais justement, maintenant qu'on va avoir ce système encore plus. Busquets, Isco maintenant s'appuie sur Karim Benzema. Regardez Busquets, il n'arrive pas à venir. Benzema maintenant dans la surface, le centre contré, oui. Ça a failli être contre son camp pour Gérard Piqué.
Et c'est vrai que Busquets a eu beaucoup de mal à revenir. Hein. Il a marché, effectivement. Et surtout encore et toujours, comme quoi, une prise de balle, Isco, avec ce contrôle orienté derrière sa jambe d'appui, va éliminer Rakitic. Busquets. Isco pour ce corner. Ter Stegen a hésité à sortir tête de Varane. Il est revenu juste à temps sur sa ligne. L'avantage en termes de jeu, c'est pour l'équipe de Zidane. Oui, le diagnostic qui avait été plus ou moins envisagé de la part de tous les... Messi qui a vu le coup d'œil face à Raphaël Varane maintenant. Messi tourne sur lui-même avec un ballon. Maintenant pour Luis Suarez, contrôle de l'Uruguayen dans un angle, centre de Suarez. Touché par Isco, corner pour Barcelone. Messi n'a pas assez vu, surtout rapidement, parce que Suarez et Neymar ont fait l'appel du côté de... où il venait, Rakitic était complètement libre. Isco maintenant avec Carvajal qui a continué le ballon pour Ronaldo. Angle fermé, contrôle pour Ronaldo. La frappe derrière, hors du cadre de Ter Stegen. Encore une, comme glissade, légèrement sur l'extérieur. Ça lui convient beaucoup mieux. On va revoir le contrôle. Le contrôle est bon, hein, parce que tout de suite la balle redescend. Ensuite, après le rebond, il la prend trop en dessous. Le coup franc pour Barcelone. Les deux mêmes autour du ballon, Messi, Neymar. C'est le Brésilien qui saute la tête et le premier but pour le FC Barcelone. Cette tête de Luis Suarez, le Barça mène 1-0 sur une phase arrêtée. Le Barça était malade, mais le Barça mène finalement face au Real Madrid. Bien sûr, on parlait des méconnaissances, d'un style contrarié, parce qu'on n'a pas vu pour l'instant ce Barça, et sur une action où Neymar va réaliser, bien sûr, une très belle manière de centrer. Et c'est étonnant que Suarez, en étant déjà devant, il est sur place, il va gagner le duel contre Varane. Lucas Vázquez, il y est aussi dans le secteur, la taille ne lui permet pas découper la trajectoire. Ah non, il y a Benzema. Hein. Benzema est ton premier. Oui, mais sur la seule action où Neymar. Attention là, Messi. La passe de Messi pour Luis Suarez, sorti de Navas. Difficile là pour le gardien du Real Madrid. Celui-ci aussi. C'est un mouvement où Messi va pouvoir trouver un Suarez qui au départ est un peu plus légèrement sur l'extérieur. Et c'est pas du tout pareil, hein, être dans l'axe et faire la paire vers les lignes. Qu'est le contraire, attaquer l'axe de la défense. La preuve, on a vu que Varane est c'est Messi. Iniesta. L'appui d'Iniesta sur Neymar, maintenant dans la surface devant Dani Carvajal. Ribéry, ici la frappe de Neymar juste au-dessus, il avait très bien commencé. Et là, il lui a manqué incroyable. Le plus important. Bien sûr, on avait relevé, moi plutôt, je venais de dire qu'ici, dans cette équipe de Barça, Neymar est souvent au début de l'action. Là, il va faire ce qu'il a comme qualité, même en première. Il y a un peu ces petites passes, voilà. Tac. L'intérieur sur le pied gauche de Carvajal. Il ne regarde même pas parce qu'il sait qu'à partir du moment où il est positionné, forcément, Keylor Navas. Alors, ballon décisif maintenant pour André Gomes avec l'appel d'Iniesta dans une bonne position. Le tir est contré, fini à côté du but de Keylor Navas. Corner pour Barcelone qui va beaucoup, beaucoup mieux. Mais ça y est, on peut. Ok, il y a le but, mais il y a monsieur Iniesta. Là, Neymar. Bien joué, ça, là encore, il a fait une bonne prise de balle. Neymar, le ballon maintenant pour Messi qui redonne encore à Neymar. Très belle U2 pour Neymar. C'est encore non converti. Sauvetage. Mais voilà. Conditionnel. Et là, attention, parce que c'est Modric, pied droit rentrant. Le coup franc de Luka Modric. La tête et l'égalisation de Sergio Ramos pour le Real Madrid. 90e minute de jeu. Ramos ramène le Real dans le match, ça fait un partout.
Lomachi nous a donné encore plein de surprises parce que les deux buts sont des coups et puis arrêtés. Et celui-ci, avec la méthode de défendre en laissant trop d'espace entre la ligne défensive et en sachant aussi qu'il y a beaucoup plus de joueurs, des très bons joueurs de tête. Voilà, regardez, ils défendent, ok, avec Sergio Roberto, il y en a trois, hein, parce qu'il y a Casimiro, il y a Sergio Roberto, Varane derrière, Mariano. Et on peut se permettre de dire que quelque part, ce n'est quand même assez.